Donc, je vais vous montrer à faire un balai avec la corde. Pour commencer, on place la corde sur le petit doigt et le pouce de cette façon. On tire dans le milieu de la paume complètement la corde de cette façon. Ensuite, on prend la partie de la corde, on l'envoie derrière. On prend le cercle qui a été fait avec la corde autour du petit doigt. Même chose du côté du pouce. On les étire au maximum. Ça va vous donner ça ici. On place un doigt par section. Index majeur et le doigt suivant. Et on l'envoie par en arrière. Je ne sais pas si vous avez vu, là, je peux peut-être aller vite. On passe les doigts à l'intérieur de cette façon-là et on l'envoie derrière. Une fois que c'est derrière, on doit passer les cornes sous notre corde qui est à l'horizontale. Donc, vous pouvez les prendre tous ensemble et les passer dessous sans décrocher le petit doigt ni le pouce. Donc, je les passe en dessous. Ça va vous donner ça ici à l'arrière. De l'autre côté, ça donne ça. Je vais le remontrer, là, comme ça. On reprend la corde et on la repasse par-dessus les trois doigts du centre. Oups, mon pouce s'est décroché. Il faut faire attention, des fois, ça arrive. Donc, de cette manière, on tire jusqu'au bout. Et si on le retourne, on voit la forme du balai. Voilà!